C'est une nuit feutrée, une nuit de fourvière, une nuit d'anniversaire. Pour ses 70 ans, le Hot Club de Lyon est sur la scène de l'Odéon. Un rêve fou qui se réalise avec Éric Truffaz en invité d'honneur. Pour nous, c'est presque pas une reconnaissance, mais quasiment de la part des Nuits de Fourvière. Dominique Delorme nous fait confiance, nous a vraiment dédié cette soirée. Pour nous, c'est magique. Magique pour nos 70 ans, c'est fantastique. Be merciful unto me, set me free. Entre rap, jazz et électro, Truffaz incarne ces musiciens d'aujourd'hui célèbres qui sont passés par le caveau lyonnais. Et c'est d'ailleurs là, rue Lanterne, dans le premier arrondissement, que va se terminer cette nuit. Son premier album, c'est au Hot Club qu'il l'a joué il y a 26 ans. C'est important de jouer comme ça, ça permet à des jeunes de jouer. Il y avait le même lieu à Grenoble qui s'appelle la Soupe aux Choux. C'est des lieux qui tiennent 70 personnes et on peut jouer avant d'être connu sans faire perdre de l'argent aux propriétaires. Très très important. 2 heures avant, il jouait devant 1200 personnes à Fourvière. Personne n'oublie qu'ici, les plus grands ont joué. Ben Wester, Jerry Mulligan et même Chet Baker. Écoutez cette anecdote savoureuse. À 2h du matin, il a retiré un fil, là-bas, dans le coin. Sa trompette est sortie. Il a joué jusqu'à 6h. Nous sommes, on était 6 là-dedans. C'était le paradis pour moi. J'étais assis au premier rang, là. Chet était là-bas derrière. L'ancien président du Hot Club est dans l'émotion et c'est avec ce même cœur qu'ils soufflent ensemble leurs 70 ans. Une toute nouvelle équipe de bénévoles, le plus vieux club de jazz d'Europe n'a jamais été aussi jeune, jamais été aussi ambitieux. Allez, on va tous les deux alors.